Évaluer l'adéquation des politiques d'assainissement résistantes et leur efficacité dans l'amélioration des services aux populations. C'est l'objectif de l'atelier de dissémination des résultats de deux études organisées par le Laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale LARES en collaboration avec l'IPAR. En effet, la gestion des bouts de vidange reste une préoccupation majeure en matière d'assainissement. Les résultats qui ont été obtenus montrent qu'effectivement, et le Bénin dispose d'un arsenal juridique et législatif même, je dirais, extrêmement important. Et qui, dans cet arsenal, il y a une évolution, hein, prenant en compte les dispositions ou les préoccupations soulevées à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle nationale, en tenant compte de la diversité géographique du Bénin. Je ne suis pas sûr qu'au niveau de l'État central, les questions de défécation par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, puisse se gérer. Il faut décentraliser un peu, responsabiliser les communes pour qu'à ce niveau décentralisé, les communes prennent leurs responsabilités. Le niveau communal est déjà par rapport à ce que la loi leur confère, hein, l'autonomie financière et puis surtout la personnalité juridique. Les communes peuvent, à leur niveau, mieux assainir leur cadre de vie et puis demander aux citoyens qui est dans la commune donc de mieux agir par rapport au mode de surveillance, de régulation qui est mis en place par le conseil communal. Moi, je crois que c'est la première chose. Pour le coordonnateur du projet WASPAR et chercheur à l'IPAR, les résultats obtenus cadrent avec les directives du Conseil des ministres africains pour des politiques appropriées et adaptées. Avec l'ARES, on a entamé la première phase des études qui était d'abord de faire l'état des lieux des politiques d'assainissement. Parce que tout ce qu'on avait dit au départ, ça va dépendre de l'engagement politique-là. Et cet engagement politique-là, il est articulé au niveau des politiques et les réglementations que nous avons mis en place. Et on a fait l'évaluation de ces politiques-là sur la base des guidelines qui ont été élaborées par AMCAO, le Conseil des ministres africains, qui est aussi partie du constat que les politiques que nous avons ne sont pas adaptées à ces aspirations-là. C'est à ce constat-là que AMCAO a élaboré des guidelines pour qu'on ait des politiques beaucoup plus efficaces. Donc, après l'élaboration de ces guidelines-là, on a fait des cas d'études pour voir est-ce que les politiques que nous avons aujourd'hui au niveau de ces pays d'Afrique, notamment dans ces 5 pays que j'ai cités, répondent un peu aux aspirations qu'on doit avoir. Plusieurs entreprises en charge de la collecte font face à d'énormes difficultés, notamment celles liées au coût de traitement. Cependant, les actions engagées devront être amplifiées, suggèrent les conférenciers. On voit avec les partenaires, un peu comme dans le secteur de l'eau, pour qu'il y ait vraiment davantage un regain d'intérêt pour aussi l'assainissement. Aujourd'hui, avec tout ce qui se fait par le gouvernement béninois, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Mais si ça ne touche pas toutes les populations, on peut dire encore qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les structures qui sont chargées de collecter les bouts de vidange, de les transporter et puis de les faire gérer au travers des stations de traitement, ces sociétés-là ont beaucoup de problèmes, deux types de problèmes à soulever. Par exemple, c'est que les ménages qui ne sont pas prêts à faire vidanger leur fosse septique, parce que problème de revenus, soit parce que les profondeurs sont si importantes qu'elles ont mis en place des fosses septiques pour ne jamais les vidanger. Ces sociétés-là, par rapport au coût de traitement, hein, de vidange et autres, ne s'en sortent pas parce que le dispositif de maintenance de leur matériel est tellement coûteux qu'ils ne peuvent pas accepter que s'il n'y a pas multiplicité de demandes, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est des raisons extrêmement importantes qu'il faut prendre en considération. D'autres aspects liés à l'assainissement en milieu rural et urbain ont été abordés au cours d'une conférence de presse qui a sanctionné cet atelier de dissémination.